orbe. L'orbe, c'est un peu débile. Mais de temps en temps, c'est fun. Donc, je l'ai pas joué beaucoup, donc why not? Orbe full démon, c'est pas mal. Orbe full mecha, je pense que c'est de la merde. Orbe full murloc, why not? Orbe pirate ou naga, pourquoi pas, on verra. Bah, tchac, je risque d'avoir des trucs qui me plairont pas chez eux, donc ça m'intéresse pas trop. Ouais, prends-moi juste recousure, ouais, je suis fine avec ça. Genre là, le plan pour moi avec l'orbe, c'est vraiment vous prenez un serviteur et vous restez sur le plan de jeu de base que vous avez. Donc vous avez intérêt à choper un bon serviteur au début. Mais pour moi, il faut pas essayer de changer de plan de jeu. Hein. Vraiment, vous avez un plan de jeu et vous le jouez à fond. Parce qu'après, vos tavernes sont trop en synergie avec. Donc c'est trop compliqué après de s'adapter. Je pense que j'en prends le Murloc. Je pense que j'en prends le Murloc. Bon, Mika, ça m'a l'air quand même bien éclaté. Donc là, en gros, c'est chaque fois que je hop, il y a un effet Amul qui se produit. C'est-à-dire que là, je vais hop et il y aura full Murloc dans le shop. Et bah, ce que j'espère, c'est qu'il y ait un Bourbi, plus un autre Murloc, n'importe lequel. Enfin, il y aura d'autres Murlocs de toute façon. Il y aura full Murloc. Mais j'espère qu'il y aura au moins un Bourbi, comme ça, je pourrais curver. Ok, Ezekiel, moi je l'ai pas, je sais pas. Odiège roleplay, ouais. On est roleplay ici. Le recousu. C'est moi. Ok, go up. Allez, Bourbi. Ah, Sage. Dommage. Ah, Bourbi là dans le shop, ça aurait été excellent, mais bon. J'ai 60 HP, oui. Increvable le truc. Je fais quoi? J'achète. Je boost, je vends, j'achète, je freeze. Probablement. Rokuzu, je trouve que le héros est ok dans pas mal d'anomalies, genre. C'est pas insane, mais c'est jamais trop mauvais, je trouve. Les 60 points de vie, il faut quand même un bon travail. Dingue le rôle, mais c'est automatique, hein, c'est normal, c'est avec l'orbe. Justement, là pour le coup, j'ai eu un mauvais rôle en vrai par rapport à ce que j'aurais pu avoir. Un bon rôle, il y aurait eu forcément un Bourbi, ça. Sans Bourbi, le rôle est pas si bon, mais suffisant quand même pour que je le pique quand même, je pense, dans tous les cas. Vu qu'on va acheter full Murloc, je pense que le double boss, c'est quand même cool. Le double boss, c'est vraiment cool. Juste manque à Bourbi. Recousu avec la modification des 15 points de vie, ça assure presque le top 4 maintenant, non? Ouais, c'est ce que j'en parlais. C'est que, bah, en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez pas prendre plus de 15 dégâts tant qu'il reste plus de 4 joueurs. La limite des 15 dégâts est enlevée à partir du moment où il y a 4 joueurs ou moins. Donc avec Recousu, en gros, vu que t'as une énorme pool de points de vie, bah, t'es entre guillemets plus safe. Jamais tu tentes le 3-3 avec le mauvais rôle. Bah si je vends, je me retrouve avec une autre tribu. Et en vrai de vrai, avec le double boss écaille, vu que je risque de jouer full murloc, je vais donner énormément d'HP à mon board, je pense. Et typiquement, contre mecha ou quoi, ça peut aider. Donc pour moi, boss écaille, ça reste ok. Hein, genre, je suis quand même content. Avec l'anomalie, je pense que boss écaille, je peux difficilement le refuser. Ça a donné trop d'HP. Surtout que si je vends et que je hop, bah je peux me retrouver avec n'importe quoi. Et si je me retrouve avec du full mecha, je serais pas si heureux que ça, quoi. A voir lequel je prends. Ah, j'hésite. La 2-3 elle donne un plus 1 plus 1 quand même, mais. Ah, c'est dur. La 5-2 elle a pas mal d'attaques, elle va récupérer des HP avec les autres. Ah, je profite pas de son effet, mais le fait que ce soit une 5-2 c'est peut-être suffisant pour être un peu devant. Ouais. Puis après, je suis censé garder des murlocs en main. Je sais pas si je le garderai à long terme, mais avec ça procrera en tous les cas, vu que je garderai ça en main. Mais à voir si je le garderai. C'est ça le problème, c'est que je. Je sais pas si je pourrais me le garder.
Mais ouais, avec cette anomalie-là, pour le coup, faut avoir un plan de jeu et rester dessus à fond et pas trop de réflexion, quoi. Ton avis sur le changement de la limite des dégâts? Je trouve que c'est une super nouvelle. Très très bon changement à la limite de dégâts. Ça aurait été bien éventuellement parce qu'on aura pas mal de crit directement lock, mais là je vais pas l'acheter. Hein. On va hop et acheter le Murloc, à voir ce qu'on touche. Ouh, ça va être cool de garder tout en main là. On pourrait même genre garder ça en main. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que le play c'est pas acheter ça et au prochain tour j'achète les 3 et je garde ça en main? Et le tour d'après, je hop achat. Ça me l'air bien comme ça. Hein. Ou alors j'achète ça maintenant, comme ça au prochain tour, je donnerai plus d'HP. Genre j'achète, tour d'après, j'achète, j'achète, je vends, j'achète. Eux auront des HP, mais c'est pas une mauvaise chose. Hein. Je serai un peu plus faible ce tour-ci, mais ce sera bien mieux pour après, parce qu'eux auront plus d'HP et pourront faire de meilleurs trades. Alors peut-être qu'ils gagneront à mourir de temps en temps, mais c'est pas. Osef, s'ils prennent des value trades, c'est quand même bien. Ouais, je vais faire ça, je pense. Attendez, parce qu'il n'y a plus de musique là. C'est quoi le message, Olia? Je t'entends comme si tu streamais dans ta salle de bain. Il y a un écho dégueulasse. Bizarre, pas d'écho chez moi. Seulement toi. Je pense que ça va être chez toi, frérot, l'écho. Je pense que t'as un souci chez toi, frérot. Pour le coup, le son de mes streams, je fais super gaffe. Hein. Là, je le fais moins maintenant, mais à une époque, j'étais tellement parano sur le son que régulièrement. D'ailleurs, je fais toujours avant de faire des. Alors, typiquement, avant de faire des vidéos, je vérifie toujours que le son est bon. Et même à une époque, avant les streams, je vérifiais également que le son était bon. C'est-à-dire que je faisais un petit test, tu vois, son. Ouais, ça prend 30 secondes. Pour vérifier que bah, il n'y ait pas de soucis, quoi. Parce que je trouve qu'un stream où le son est dégueu, c'est terrible, hein. Pour le coup, c'est le plus important. Il est nickel, parfait. On va booster ça. Comme je dis, ça peut être une carte avec laquelle on joue après. Et puis à tour, hop, achat. On aura forcément un Murloc avec l'effet. Donc, pas mal. Il joue Nagal, monsieur. Edo, c'est pas FR? Je crois que quelqu'un a dit que c'était FR. Mais je connais pas. Bah j'ai déjà croisé plein de fois un peu du coup. Tu le boosts si tes Murlocs meurent, ça va être compliqué. Bon. Bon écoute, après si je gagne, moi ça me va, c'est pas grave. S'il se fait pas booster, c'est pas grave. Il a fait sur RIGP, c'est possible qu'il ait été qualifié, mais pas dans mon groupe, je crois. Bon, j'en sais rien. En vrai, j'avoue que j'en sais rien. Peut-être qu'il était dans mon groupe. Oh, la mémoire de poisson rouge, quoi. Pourquoi ne pas avancer le deuxième Murloc? Parce qu'il a moins d'attaque. Juste avoir un placement pour péter un shield d'avant et puis mettre du plus fort ou moins fort en attaque. Juste mis un devant pour péter un shield. Et après j'ai mis du plus haut ou plus bas en attaque, simplement. Oh là là! 13-15! Regardez-moi ça! Oh là là là! 15-17! Magnifique! C'est bon! Alors, qu'avons-nous dans le shop? Il y a 1 milliard de bonnes cartes. Évidemment, j'ai touché, mais en même temps, avec 1 milliard de bonnes cartes, ben, ça avait beaucoup de cibles. Parce que 1 milliard, c'est beaucoup. Freeze, parole, pour ceux qui se souviennent.
À voir si j'ai un truc à garder en main ou pas. Manoroth en main. Et je pose quand même lui. Dommage qu'il prenne de l'attaque, mais bon, il prend aussi surtout des HP, donc... Ah va, j'ai quand même envie de poser ça ici. Bon, après, je peux quand même juste poser lui en soi. On va peut-être poser le Manoroth quand même. Ah, j'ai posé ça au-dessus en vrai. J'aurais bien voulu Bran sur le trip, j'aurais bien voulu Vaillefendre. Bien ça. Ouh, terrible le hit. Il y avait tellement de bonnes cibles. Trolling. Vas-y, il a des murlocs. Il a le murloc à invoquer, plus murloc qui invoque, alors qu'il joue pirate. C'est quoi ce bordel? Vraiment, c'est trop. C'est vraiment trop là. Fend avec lui, plus éventuellement le bloc Kavok. J'ai pas de Bran, mais bon, j'ai pas envie qu'il lui reste. Pas envie qu'il vole l'HP là maintenant. Il y a Mecha, lui je pourrais le piquer et le booster, lui mettre un bouclier diva après éventuellement. J'ai pas mieux. Nice. Non, il faut invoquer là. Je peux tenter de trouver mieux autrement. Hein. Ouais, le secrétaire, c'est ce que je veux, clairement. Ah. On fait un giga branchi et on le jouera au prochain tour. Ah, le taunt est intéressant aussi. Autrement, gigatiteuse, mais il sera pas. Ça va moins bien booster là. Non, je vais faire ça et freeze. On va virer ça après. Problème du Vaillefente, c'est que je perds full boost. Là c'est. Avec le Vaillefente, ça double les stats. Ça donne 15-15 de stats en plus, c'est énorme. Por qué favor? A cuenta esa? Oh, les trades qui trollent. Sage. T'as pas doublé. Ah bah j'ai vu, hein. Effectivement, avec les pires trades du monde, ça a pas boosté. Il y a eu un mort. Oh, j'ai rien de bien à avoir en main, ça qui m'embête. Je retarde l'up quand même. En vrai, il y a un monde où je prends pas ça, je up, je booste lui, et je vais le triple au prochain tour. Et ça fait encore plus de stats en main. Ah ouais. J'ai 33 HP, de toute façon, il me faut 3 tours avant de mourir. Je suis large, go go go. C'est forcément le play. Tant pis pour les taunts. No need. On les prendra plus tard. Ok. Bon.
J'ai pas le triple, du coup on va prendre ça. Ça va sauter. Ça va sauter pour rentrer lui. Je vais rentrer lui et lui. J'aurai eux deux en main, il me faudra deux trucs en main. C'est légal ça. En vrai, moi j'aurais bien voulu le Murloc booster. Le problème c'est que les Toxies à booster en main c'est moins bien. Après ça, il faut que j'en pose un avec le Vifang. C'est trop chelou. Après, je peux garder une 6-2 en main. Non, mais la taverne, les gars, c'est anomalie pour ceux qui n'ont pas suivi. Hein. C'est normal en soi. Hein. Je veux dire, full Murloc, c'est normal. Il faut suivre, les gars. Suivez. En vrai, il faut que j'en pose une quand même sur le board. Après, peut-être que je vais virer le Manorod du coup. Probablement. Ouais, il faut que je vire le Manorot. Lui aussi, évidemment. Non, mais stop là! Oh, il vous a fait quoi, le Vaillefendre? C'est pas garanti d'avoir les bons quand même. Ouais, après, j'aurais bien aimé tripler ça. Enfin. C'est un bon chap, hein, mais. Il y a moyen d'avoir encore mieux. Karman ou Taunt, ouais, mais c'est de la merde de prendre le Taunt sur le timing. Sorry si le Vifor doit Taunt cacher, ouais, c'est ça, hein. Ok. En vrai, Doré, c'est même chiant. Hein. Il vaut mieux en avoir deux splits avec Vifor que Doré. Par contre, ça, c'est intéressant. Surtout si je peux tripler la 3-3 là. Attends, mais comment je fais du coup? Je suis obligé de virer l'autre en fait. À moins que je vire la VAT 32, bof, non. Ah! Ouais. Il y a un monde lui reste en main, lui. Faut que je vois, parce que si j'en ai un autre comme ça. Ouh, que c'est nul là. Ouais, je vais pas prendre le triple, il vaut mieux que j'en ai deux splittés. Est-ce que le Vifor va dodge? J'aurais dû inverser les deux là par contre. Après, je me dis si ça invoque le plus petit, ça invoque lui, l'autre a invoqué celui-là, donc bon. Mais ce ne sera pas le cas. Ça va être la toxie. Et du coup, est-ce qu'on le tue? Il s'en sort. What the fuck? Pourquoi? Je comprends pas. What the fuck? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut que tu prennes des mots, tu fais une phrase. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans mon play? J'ai tout expliqué. S'il y a un truc que t'as pas compris, bah, tu formes une phrase et on pourra échanger. Mais what the fuck, ça ne veut rien dire, frérot. Ne pas tripler le bras orange, tu l'as dit après. Non, je l'ai dit avant. Je l'ai dit avant et je l'ai re-redit après. Mais je l'avais dit avant en plus. Je suis sûr d'avoir dit avant. Est-ce que je prends un sac-sac quand même en main là, sur ce coup? Il y a lui qu'il faudra que je bouge après. Il faudra que je trouve du taunt après. Et il faudrait. En vrai, il faut surtout que je trouve peut-être des toxies. Donc.
Le problème, c'est qu'il sera pas assez gros, je pense, dans la game. Je pense vraiment qu'il sera pas assez gros, le secrétaire. Il vaut mieux que je joue avec full Toxie Avocat Mama, Leroy, tout ça. Il me fera 4 Toxie en mal. Il aura pas le temps d'être assez gros, c'est sûr. Donc, il vaut mieux que je prenne des stats sur ce timing, peut-être. Dommage, le shop était vraiment nul là. Ouais, je suis pas. Ouais, c'est chiant quoi. Genre, j'essaie de répondre aux gens, mais les gens font pas d'efforts, ils sont incapables de faire une phrase complète. Ils me lâchent un mot et je dois essayer de deviner ce qu'ils veulent que je. Ce qu'ils voulaient me dire quoi. C'est relou. Ok, la limite de case est élevée, donc là on peut mourir, même avec 25 HP. Avant c'était pas le cas. Leroy c'est bien. Il me faut 4 bonnes cartes à évoquer de ma main et du taunt. Après avoir du taunt, tant que j'ai pas 4 bonnes cartes, c'est pas très intéressant. On peut éventuellement tripler ça, mais bon. Le problème de ça, c'est que si je le pique et que ça triple lui ou lui, c'est très chiant, donc on va pas le pique. Ça, c'est très très bon. À terme, il faudrait le poser sur le board, mais là, c'est pas gênant de le garder en main. On aura 3 cartes à invoquer. Peut-être le play de faire ça ici. Genre, tac. Plus tard, j'aurais envie de le poser, mais pour le moment, je peux le garder en main. On va poser eux deux. Qu'est-ce que tu fais, le chat? Qu'est-ce que tu fais, le chat? Et là. Et là. Ah, super. Ça devra pour donner Toxie. E2 pour booster. On invoque. J'ai 3 cartes à invoquer. Je peux invoquer 4. Mais de toute façon, le Vifor ne va pas forcément avoir le temps de proc les deux sans se faire sniper. T'as échangé à la fouine contre un chat. Là, allez, allez, là, Emma. Elle est là. T'es en maison, Liège? Ouais. Nice. Est-ce que ça va être suffisant? Ah, c'était chiant ça. Ouais, non, ça peut pas être suffisant, mais on meurt pas. T'as un bout de jardin? Malheureusement, oui. J'ai un peu plus de 2000 mètres carrés de jardin. Je voulais pas de jardin. Sage. C'était pas le plan. Never lucky. Mille mon rêve. Ah bah génial. Je te l'ai fait le si tu veux. Faut une autre truc à prendre directement. Le problème, c'est que si je tente ça et que je touche pas, je suis baisé. Contre pirate, ça va être chaud, hein. J'aurais bien voulu poser ça et avoir carrément deux autres toxies en main, mais je n'en trouve pas là. Toxie, venin. Leroy.
Alors, je vais pas prendre une carte random, hein. Je pourrais tenter une bombe, mais bon. Ah, je sais pas. Trop fatigant quand il faut débroussailler. Bah ouais, mais c'est pour ça que moi j'avais pris shot, hein. J'ai vécu à la campagne. J'ai passé la tondeuse tous les dimanches, tout ça. Je connais, tu vois. Je connais ce que c'est d'entretenir du terrain. Hein. Chez jardiner, je l'ai fait. Juste, c'est pas le truc qui j'ai envie de faire en ce moment, tu vois. Donc, après, je dis pas que avec l'âge, plus tard, j'aurai envie, mais vraiment, pas mon délire. Ok, pas si mal. Bon, la pompe a pris des stats, mais tant pis, hein. On va l'attraper, là, on va l'attraper! Non, j'entretiens quand même un peu le jardin, mais c'est chiant. C'était pas le plan. Il va me falloir du tone, donc il faut que j'achète. Mais en même temps, ça, je veux pas jouer avec. Mais en soi, je peux virer ça ou ça. Mais là, j'aimerais bien virer ça pour garder du scaling contre l'autre. Ah, mais il m'a battu, lui. Ah. Après, je peux poser la bombe dans tous les cas, sur ce timing-là. Osef de ça, quand même. Il y a moyen d'avoir une toxie? Un Leroy? Quelque chose? Why not? Et on garde bombe en main. On garde le scaling. Ok. Héroïne, j'ai pas suffisamment de stats pour que ce soit intéressant. Il avait un cleaver 2, je pense que comme ça le placement est bien du coup. Bon bah on aura une grosse bombe, qu'est-ce que je vous dise. Achète-toi un robot qui tourne tout seul, ça existe, c'est assez efficace pour le jardin. Le problème c'est que mon jardin il est pas... Il est un peu en pente, c'est chiant tu vois, c'est pas adapté je pense. Ça c'est chiant pour le cleave. Le Vaillefort il prend à chaque fois. Oh c'est fou, il y a eu des fights où il a pas pris, mais bon. Est-ce qu'on se fait scam là du coup? Enfin scam. On a quand même 7.9 quoi. Dommage. On peut espérer qu'on fasse 2-3. De toute façon j'aurais pas pu faire top 1, je pense que c'était chaud. Enfin si, il y avait moyen mais ça aurait été tendu. 2-3 ça me va. Bon j'ai rien trouvé comme toxi hein. Trop galère à toucher mes toxis.